Salut tout le monde, c'est YannSR et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play. Non, du Let's Play, du Playthrough. Parce que oui, comme je l'ai dit dans le premier épisode, je prends de l'importance à la définition d'un Let's Play ou d'un Playthrough sur Cyberpunk 2077. Donc dans l'épisode précédent, nous étions allés dans ce club assez osé, on va dire, mais pas pour faire des choses osées, pour philosopher. Pour philosopher de notre vie, que veux-tu? Qui est-ce? Oui, tu me reçois? Qui est-ce? 5, pas besoin de crier. Quoi de neuf? J'organise un petit concours de tir, avec des prix, tout ça. Oh! Intéressant! On se tente de tir, quoi. J'avais compris. Alors. Ah bon, j'avais compris ça, moi? C'est pas ton genre, les concours! C'était ton truc. Oh, c'est rien d'énorme, mais bon, je suis un peu raide, alors j'essaie d'attirer les clients comme je peux. Ah, d'accord, il veut que je paye, c'est ça? Un cracheur tout droit sorti de l'usine, au lieu de passer des heures à en bricoler. Mais, tu sais bien que j'ai ma fierté. Bon, allez hop, je vais. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que. À toute! Quoi? Comment ça maintenant? Bah non, non, pas tout de suite. Attendez, parce que, parce que dans l'épisode précédent, on était allé dans ce club assez osé pour philosopher, donc pas uniquement pour philosopher, mais parce qu'on voulait chercher Evelyn Parker. Or, on nous a dit que Evelyn Parker se fait charcutoquer. Donc du coup, on va d'abord s'occuper de ça, et peut-être qu'on va à ce fameux concours, on va tirer sur des choses, j'imagine. Alors. Minou, pourquoi tu cours comme ça? Au moins ici, tu sais pourquoi tu payes. J'avais même pas vu que Johnny me parler en fait. Ah, d'accord, c'est un club osé, on va dire. Bon. Très bien. Bon, allons justement chercher ce charcutoc qui se trouve juste ici. Bref. Donc, analyse. C'est à la réserve. À qui il parle? Bref, je vais du coup à la réserve. Ah, d'accord, il y a Popular Street. Jig, j'imagine. Ce n'est pas ici, n'est-ce pas? C'est ici? Oui, c'est ici! Tout à fait! Donc il fallait prendre l'ascenseur pour aller. Ah. On s'arrête là. Comment ça? Bon. Commence pas déjà. J'ai un message pour Fingers de la part des Tiger Claws. Ah ouais, et c'est quoi ce message? Il y a deux choses. C'est urgent et confidentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as le choix. Ah ouais. Ouais. Soit je te dérouille parce que t'es trop lent, soit parce que tu te mêles de ce qui te regarde pas. Ok, laisse-le passer, Sludge. Putain, ça marche. Je pensais qu'on allait pas stoner directos, mais non. Bref. Allons du coup chercher La touche pas. Tu crois que tu me fais peur, petite pute? Ferme-la, tu feras beaucoup moins le malin quand les mox débarqueront dans ce trou. Si c'est une histoire de pognon, va au tribunal, face de cul. Wow. Wow, il se passe des trucs, il faut que j'intervienne au plus vite. On a tous nos limites. Paie-moi du salut. Bah, t'es déjà là? Qu'est-ce que tu fous déjà là? Je t'avais appelé il y a même pas quelques secondes. La queue, c'est par là. Non. Tu veux mon crasher dans ta queue? Tu t'assieds et t'attends ton tour. Bref, tu le connais? Girls, tu le connais? J'ai entendu des trucs, ouais. Du genre. Sa main a juste tendance à riper. Ah! C'est pas un bon charcutoc, hey, alors. Je suis content de te voir. Je suis super inquiète pour Elvé. Je savais pas qu'il lui était arrivé quelque chose. On va la trouver. Quelque chose me dit qu'on arrive trop tard et qu'on n'aura pas du coup notre info. Les mocs en auraient pas après Fingers par hasard? Non, pourquoi? Il paraît que les gagneuses ressortent de sa clinique encore plus amochées qu'en arrivant. Ah. Ah ah. Ouais, bah... On peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Je sens qu'on va attendre des plombes. Tu pourrais peut-être demander à ses filles si on peut passer devant elles.
J'ai l'impression qu'elle m'aime pas trop. Allez, essaie. Ou alors trouve une meilleure idée. Hello, poupée. Comment vous dire ? Ah, on a une urgence. Elle est extrêmement urgente. Alors non, je n'échangerai pas. Alors, ils veulent pas parler, n'est-ce pas ? Ah, s'asseoir. Très bien. Vous avez une fille avec, les cheveux bleus. Cheveux bleus. Elle a une puce de poupée. Je crois que je vois de qui tu veux parler. Fingers l'a opéré, c'est sûr. C'est sûr ? Ou c'est... J'ai une idée. Sûr. On va lui demander. Ah, shit. Et sinon... Ma pote, là, elle va vraiment pas bien. Vous pourriez nous laisser passer juste... Je suis pas sûr que ça marche, hein. Bien sûr, mon chou. Vas-y. Oh, bah... Attends un peu. Elle avait l'air en pleine forme il y a 2 secondes. Bon, ok, c'est tu veux mon crasher dans la gueule, c'est ça? Enfin, oui, maintenant je me prends le vocabulaire du jeu. Au lieu de dire flingue, je dis crasher. Bon. On a trouvé un moyen. Et alors, soit on force. Attendez, y a un truc qui cloche. Ah. Je vois tout flou. Mais on a que 5. L'ancien propriétaire de cette plaque faciale avait invité... Ah, chier. Chiot. Il nous faut une autorisation. C'est quoi ça? Quartier du crime. Ah. On entre. Oui, on entre. Bonjour, Doc. Nous ne sommes pas là pour opération, nous sommes là pour... Oui. Des questions. Que puis-je faire pour vous? Attendez, c'est vous le charcutoc? On peut te parler. J'ai besoin d'une minute de ton temps. Une minute seulement? Dommage. Je pourrais regarder s'agiter vos lèvres pulpeuses pendant des heures. Ah! C'est du coup un charcutoc spécialisé dans les choses... Vous êtes des Tiger Claws? Je vous ai déjà payé. Voilà quoi. On est des Mox. Des Mox? Il fallait le dire tout de suite. Oula, alors, qu'est-ce qui s'est arrivé, qu'est-ce mec? Qu'est-ce qui vous amène ici? T'es vachement à mon shit. T'installes des trucs défectueux? Tu leur poses des implants défectueux? C'est votre opinion? Pour moi, c'est ce que je peux leur trouver de mieux. Et toi, t'y gagnes quoi? Ce qu'elles du fric. C'est du fric, tout simplement. Je vois pas ce qu'il peut gagner d'autre, hein, à part du fric. Tu me files la gerbe, tu le sais, ça? Ouais, bon, on n'est pas là pour... Evelyn Parker, je veux savoir où elle est. Dis-nous tout. Passez dans mon bureau, s'il vous plaît. Bah alors, il a l'air complètement complètement en mode encore pour Evelyn Parker. Ça, tout le monde vous le dira. Je suis plus qu'un simple charcutoc. Je sais ce que les gens veulent vraiment. Être flatté, complimenté, avoir le sentiment qu'ils le méritent. Évidemment, je ne peux pas me souvenir de tout le monde. Je vous en prie. Forest, ça te dit forcément quelque chose. Non. On le surnomme Woodman. Il bosse à la maison de poupée. Vous lui avez parlé? C'est moi qui pose... Oh, mais il dira rien de plus. Pas comment il paraît. Voilà. Alors je me suis assuré qu'il l'ouvrirait plus pendant quelques temps. Toi non plus, je t'aime pas trop. Alors fais gaffe à ce que tu vas dire. Pauvre petite. J'ai vraiment tenté de l'aider. Quoi ? Mais vous le voyez bien, mon établissement n'est pas à la pointe. Abrège, tu veux ? Dis-nous tout. Je suis pressé, j'ai un concours de tir à faire. Abrégé ? D'accord. Eh bien, je n'ai pas la moindre idée d'où elle se trouve. Ça suffit, ces conneries! Qu'est-ce que tu lui as fait, sale pervers? Fais gaffe, mec! Écoutez, je suis armé! Soit vous muselez cette créature, soit vous la faites piquer! Je ne peux pas discuter tant qu'elle est dans les parages! Eh ben, tu sais quoi, mec? J'ai une autre méthode qui va te permettre d'obliger de discuter! Putain! Me fait perdre mon temps, pauvre merde.
Je suis à deux doigts de te coller une balle. Elle a été emmenée par deux masters d'un studio de DS. Je ne connais même pas leur nom. Bah voilà. Mais c'est passé. Dis-moi de plus. Ils ont parlé d'un papillon, je me souviens. De Virtu avec la tête de mort. Ils disaient qu'elle serait parfaite pour le papillon. What? J'en veux plus. Dis-moi plus. Ah. Ah merde. J'ai besoin d'air. Je sors. Merde. Je crois que j'ai fait un peu trop fort. Un peu trop fort. Bon, moi je vais looter tout ce qu'il a. Mais non, je veux pas le miroir. Je veux la caisse qui est juste à côté. Comment on sort de ce miroir? Arrêtez de se regarder. Putain, je suis toujours en short. J'agresse les mecs. Je fais des interrogatoires musclés en short. Un mocassin. Vous venez de découvrir un objet iconique ainsi que des plans de fabrication que vous pouvez utiliser pour fabriquer des versions de meilleure qualité de cet objet. Lorsque vous fabriquez une nouvelle version d'un objet iconique, l'objet d'origine est détruit. Les objets iconiques peuvent aussi être améliorés, blablabla, d'accord. Mais ça me dit pas du tout s'il a une spécificité, cette arme. Bref. Allons voir Judy. Oh, attendez, il y a des trucs là. Une petite dague. Parce que pourquoi pas. Des ciseaux. Ça me servirait peut-être à quelque chose. Bref. Je l'ai laissé retourner au cloud. J'aurais pu l'arrêter, mais je l'ai pas fait. On va la retrouver, t'inquiète. On va la retrouver, j'en suis sûr. On va retrouver son corps en petits morceaux. Mais non ! Quoique, même si... Même si, effectivement, il y a plus de chances qu'on va la retrouver en morceaux. C'est certain. Qu'on doit trouver un truc. Mais on va la retrouver. Je partage pas ton optimisme. J'ai quand même l'impression qu'on a absolument que dalle. La tête de mort, ça dit forcément quelque chose. Ça dit quelque chose. Même un truc insignifiant pourrait nous aider. Dans ce milieu... Tu sais, le marché s'intéresse à tous les fétichismes. C'est très vaste. Et une équipe de DSX doit être constamment en mouvement. Pour éviter de se faire choper trop facilement. Ah, parce que c'est illégal d'avoir des danses sensorielles. C'est ça ? On va voir un studio. Je doute qu'il tourne beaucoup à l'extérieur. Ouais, ça doit être un endroit calme, bien isolé. Un endroit peut-être un indice calme. Qui mettra sur leur piste dans leur vertu. Peut-être de vrais pommards, j'en doute. T'as une meilleure idée ? Oh, elle a une idée. Eh bah, il se trouve que oui. Il y a un clone du domaine Night City Pleasures sur le Darknet. Dis-moi plus. S'y passe toutes sortes de trucs. On pourrait y trouver quelque chose d'utile. Comme des indices ? Par exemple ? Laisse-moi réfléchir une seconde. On va tenter notre chance sur le Darknet. Le domaine sur le Darknet, c'est notre meilleure chance. On va faire ça. Ok, j'espère que tu trouveras quelque chose d'utile. Mais comment on va sur le Darknet ? Je vais attendre dans le van. Mais on peut aussi se renseigner dans la street. Je pense qu'on va faire d'abord le truc facultatif. On va se renseigner on va se renseigner d'abord auprès des gens. Parce que qui sait si ça se trouve. Ils savent qu'il y a quelque chose. Notre priorité c'est Evelyn Parker. Donc du coup on va essayer de trouver des gens qui s'y connaissent. Oh putain mec, t'essaies de nous entuber. Hey, il manque 4 sacs là. Et la part de Pablo. T'es pas content? Eh, tu vois ça avec c'était pas hey, ça pas que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Du coup, redémarrage optique. Tac, 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 tac. Si ça me permet de le saisir. Non, ça me permet pas de le saisir. Bon. Ça me permet de faire ça. D'accord. Peut-être des soins. Je sais absolument pas. Je voulais juste parler. C'est tout.
Je voulais juste parler, je voulais pas faire ça. Je vous en prie. Laissez-moi au moins vous parler. Donc apparemment, ils sont pas très causettes. Très bien. Bon, bah, je vais me charger. Heureusement, je vais me charger ici. Je vais donc, du coup, reprendre, du coup, l'idée de se renseigner au sujet, du coup, de choses. T'essaies de nous entuber ? Hey, il manque 4 sacs, là ! C'est la part. Allez, hop. T'es pas content ? Ah bah, tu vois ça avec lui. Hey, je fais pas affaire avec Pablo. Alors, avec toi. Bonjour, madame. Toi et moi, tout va s'arranger. Problème. Non. Pas d'infos. Bah, des infos sur un studio de danse sensorielle, non, personne. Elle a forcément un indice. Ouais, mais. Ses implants sont plus vieux que moi. Et elle trouve encore les pièces pour les faire fonctionner. Lol. T'es encore là, toi? t'es là, t'es. J'ai à peine scanné et. Bon. Cherchons des infos. Des infos. Foutu. Le monde est foutu. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Civil. Très bien. Peut-être pas ici. Peut-être pas là-dedans non plus. Dans une salle d'arcade, non. Mademoiselle. Hey, tu cherches un peu de compagnie pour ce soir? Non, je cherche des infos. Oui, t'es au bon endroit. Non, pas quelque part ou... On fait ça vite fait derrière une poubelle. Hé, hey, pour qui tu me prends? J'ai une piole, moi. Ok, mais pas tout de suite. Désolé, je dois chercher des infos. Je suis sac à merde puant. Arrête-toi tout de suite. Quoi? Oh, salut chérie. Salut chérie? Putain, mais qu'est-ce que tu fous ici? Quoi? Et si on évitait de faire une... Bon. Alors, j'ai pas d'infos. Oh, il y a un truc vert. Peut-être que le truc vert dans la map me donne des infos. Oh, t'as bon. Déjà du Rainbow Poppers? Non, c'est pas du tout ce que je cherche. Très bien. Donc, du coup, j'imagine que... Il y a pas personne qui peut me donner d'infos. Peut-être en scannant, hein. En scannant, je vais peut-être trouver quelqu'un. Non. Non, je ne vois personne qui peut me donner des infos. Bon, je pense qu'on va oublier cette quête, ce truc facultatif de trouver quelqu'un. Je pense qu'on va tout de suite chercher un terminal, aller dans le Darknet. Et du coup, bah... Alors, Pleasure of the Nightmist, non, ce n'est pas ce que je cherche. Accéder à la copie clandestine du domaine. Pleasure of the Night City. Comment on fait? Comment on fait? Danse sensorielle. Lizzie Bar Cubi. D'accord. Jig Street. Plongez-vous, peut-être si je me connecte. Ah d'accord, alors 1C, BD, 1C, très bien. 1C, BD, 1C. Voilà. Si je fais une connexion en piratage, peut-être que je vais trouver des informations. Très bien. Donc suivant, voilà. Danse sensorielle, parfait. Trouver une vendeuse du DXX dans Chic Street. Inquisition simultanée, vaincre Satan, décor dans l'espace, contact XX, sans amnestie, contact chirurgien, sphinx à tête de mort, polza, super synchro, nanani nana. Alors peut-être pas ce... Comment on fait du coup? Je suis connecté, très bien. Maison de poupée, non, ville nocturne. Je fais comment? Je quitte parce que... Ah oui, il fallait que je quitte parce qu'apparemment j'ai déjà des informations. Très bien. Eh bien... Allons du couloir. T'aurais pas pu faire un peu plus gaffe. Il est ici.
Très bien. Alors, je cherche... Vous vendez quoi, déjà? Des vertus. Sans blague. Ouais, on va dire ça. Ceux qui connaissent n'ont pas besoin de demander. Mais je cherche un truc spécial. Un genre spécial. Spécial? Ouais, spécial. Non. Donnez-moi le top du top. Celle avec la tête de mort dessus. Je pensais pas avoir affaire à un connaisseur. La tête de mort a un prix. Chiasse! Pas de réduc? Pas de ristourne pour les nouveaux clients? Seuls les habitués ont droit à une ristourne. Si c'est trop cher pour vous, cassez-vous. Bon, d'accord. Vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser? Fais voir. Fais voir, donc du coup, c'est celui-ci. 1000$! Ah, mais j'ai les 1000$. Comment ça se fait que j'ai 2000$? J'en avais pas moins en sortant du close? Ah. Bon. Bah écoute, j'achète. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Peut-être que j'ai eu du pognon sans savoir comment. Bref, donc du coup, on va rejoindre du coup Judy. Pour lui donner du coup toutes les infos qu'on a. Parce que... Elle a le droit d'être au courant, bien entendu. Ah bah, elle est dans une camion poubelle. Allez, monte. Bon, très bien, je monte. Bah, je monte. Salut, V. Alors ? Je prépare tout. Toi, installe bien la couronne sur ta tête. Ah ! Tu regarderas pendant que j'édite en temps réel. On va bosser en tandem. Ah ! Bon bah, attends, c'est plus, parti pour l'enquête. Je veux que tu me enquête en danse sensorielle. Très bien. Le mode d'édition est prêt. Tu peux fouiller autant que tu veux. Alors, c'est sûr. Personne n'oserait se saper comme ça. Très bien. Donc du coup, on a ces deux des sauceurs, très bien. Pourquoi des désosseurs sont ici? Bonne question. Oh, il y a un truc. Il y a un truc. Très bien. Alors, que je me rappelle. C'est reculé. C'est avancé. Qu'est-ce qu'il y a ici? On l'a commandé récemment. Une part de pizza. Oui, ça va vachement nous aider, une part de pizza. Ça ne nous aide pas du tout. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! Ça biffe! Qui est-ce? Il y a un logo électrique Corp sur la combinaison. Corp? Oh, c'est une corpo? Quoi comme corpo? Electric Corporation, d'accord. Pourquoi poser la question? Bon, il n'y a rien côté thermique aussi, quand même. Alors, un truc. Un café. Rien de tel que la bonne odeur du café synthétique bas de gamme. Il est froid. Bacchus Slice. Il n'y avait pas un truc là-bas? J'ai cru avoir vu un truc. Oh! Attendez! La radio est à fond. C'est sûrement... Le café était froid. Bon, ce qu'on cherche, c'est une centrale électrique Corp. Mais... située près d'un Bacchus Slice. Et donc? Ça veut dire que quelqu'un se fournit régulièrement. J'ai entendu ce genre de bruit. Je suis en train de faire bugger les dialogues. Ça ressemble à du polystyrène. Personne va traverser la ville pour bouffer ça. Donc du coup, on a toutes les infos, très bien. Bon, alors, direction pardon. La vieille centrale électrique Corp de Charter Hill. Va falloir se contenter de ça pour l'instant. On dira rien d'autre de cet enfant. Bon, très bien. J'ai fait bugger un peu le dialogue entre dents en changeant de couche. Pas savoir pourquoi. Mais... Il faut qu'il retravaille quand même la danse sensorielle. Pas de temps à perdre. Enfin, ou plutôt les dialogues. Je suis d'accord, je t'emmène. Ouais. Ok, c'est on y va. C'est parti. Bon. Ça fait du bien de se faire balader. Qu'est-ce que c'est? New job, get an upgrade. Ah. J'arrive pas à me le sortir de la tête. L'extrait de vertu qu'on a vu avec le sphinx à tête de mort. Ils enregistrent que du snuff, alors. Ce serait les derniers des pommards s'ils l'utilisaient bêtement pour du snuff. Qu'est-ce que tu veux dire? On parle d'une fille qui a un don pour ce qu'elle fait. Et qui possède un implant de poupée, en plus. Franchement, on trouve pas ça à tous les coins de rue. Ça vaut cher, ça? Enfin, dans le Darknet?
d'avoir Bon, je regarde quand même le chemin au cas où, hein. Qui sait jamais, entre temps. Est-ce que c'est loin au fait? Quand est-ce qu'on arrive? J'ai une question. Quand est-ce qu'on arrive? Le mec il fait à peine. Bon, je peux passer le trajet, mais je préfère laisser le trajet tel qu'il est. Afin de voir tout ce qu'il y a autour, quand même. Voir où je vais. Est-ce qu'il y a des trucs à explorer? Bon, il n'y a pas la minimap. En haut à droite. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un bug de ne pas avoir la minimap. Parce que là, on va où exactement? Putain, il y a plein de quêtes annexes. Alors ça, c'est une quête principale, une autre quête principale. Ouais, je ne saurais pas. Je ne saurais pas où on va. Il y aura Takamura qui nous fera chier, bien entendu, en nous envoyant des messages tout ça, comme quoi il faut qu'on se dépêche, mais... Hey, tu crois que je suis en train de faire quoi, Takamura? Je suis en train de trouver déjà une piste. Par contre, on peut changer de radio parce que je suis plus rock metal que... Hey, ça ressemble à du rock. Mais pas le rock que j'aime. Ou du moins le métal que j'aime. Dutch Morning. Quoi, tu t'arrêtes au feu rouge, toi? Oh non, on y est. On est arrivé. Déjà. Eh ben putain. Quoi, on n'est pas arrivé? Qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, on y est. Ok. On entre? Trouve un moyen d'entrer. Je vais rester là pour scanner le sous-réseau et voir s'il y a des plans du complexe qui traînent. Je te rejoins dès que j'ai trouvé quelque chose. On reste en connexion. Ok. Ok, j'entre. Bon, c'est parti. Alors, le bâtiment principal est ici. Il faut qu'on trouve un moyen. Comment? Alors, capacité technique de 7, il est en marche. On pourra pas le pirater, malheureusement. Ici, il y a quelque chose. Contrôle des caméras, tiens. Pourquoi pas? On va déjà voir ce qu'on peut faire. Est-ce que par hasard... Déjà, de ce côté-là, non, on peut pas trop. Mais je vois qu'on peut pirater ces gens-là. Leur faire un peu de dégâts. Ouais. Du coup, j'ai d'autres caméras, n'est-ce pas? Oui, j'ai d'autres caméras. Bon, déjà, première chose que je devrais faire, et que j'aurais dû faire, c'est tout simplement, effectivement, c'est tous les marquer. Bon, ils sont déjà tous marqués, très bien. Celui-là, je l'ai marqué. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une caisse. Oh, qu'est-ce que c'est? Bâtiment principal. Ah non, c'est mon objectif, c'est d'entrer dedans. Oh, je peux le faire exploser? Non, je peux pas le faire exploser. Enfin, pas tout de suite. Donc, un objet. Je crois qu'il y a quelqu'un en bas, mais je ne suis pas sûr. Bon, écoute, il n'y a pas ce que je cherche, apparemment. Cherchons... Oh! Des serveurs! Non, des réfrigérateurs. Bon, écoute, on les pirate, hein. 55 BD, 55. Alors, tac. Mais non! Ah bah si, c'est bon. Je me suis dit, mince, je voyais pas la ligne qui se développe, alors... Du coup, j'étais un peu dans la merde, mais en fait, non. Protocole de piratage, je peux pirater les deux. Ça m'a juste réduit, en fait, de 1 le piratage. Très bien. Donc ici... Qu'est-ce que c'est? Si c'est un carburant... Il y a beaucoup d'objets explosifs, hein. Franchement, les gars, si j'étais vous, j'éviterais de continuer à prendre ceci comme...
comme base. Enfin bref, de faire une base ici, quoi. Franchement, avec le nom. Oh. Alors ça, c'est pas du tout le genre de truc qu'on voudrait voir. Une salle d'attente, on dirait. Il y a rien, des ordinateurs que je peux pas pirater parce que c'est bloqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Des journaux, très bien. Ici, rien qui pourrait m'intéresser. Très bien. Des trucs de chaleur. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde! Ah merde, il y a des cadavres! Carrément! Putain, ça déconne pas finalement! Bon. Et ben, ça a pas trop l'air de déconner apparemment. Je pense qu'on va essayer de trouver. Putain, il y a forcément un moyen de rentrer là-dedans! Un moyen d'ouvrir la porte! Non? Ou bien il faut le faire ça à la dure? Ou attendez, j'ai vu un truc. Dans cette pièce-là. Un truc qui m'intéresserait. Briser la gêne. Manipule les fonctions de base d'un appareil. Bon, essayons. Ok, ça ne sert strictement à rien et je n'aurais pas dû faire ça. Bon, ben, très bien. Oh. Faut que je te... Non. Je peux pas te pinguer, non? Enfin de... Lui je peux au moins. Je ne peux pas. Je ne peux pas les marquer. Pour... Si je l'ai... Ah mais en fait... D'accord, oui. Oui, en fait, la... la flèche de marquage est un peu trop à mon goût. Bon alors, du coup, ouais, c'est pas mal gardé. Et je crois que c'est tout. Très bien. Alors on va... Non, je me suis trompé de touche. On va quitter ça. On a tout. Mais absolument tout. Les infos qu'on veut. Alors pour rentrer de manière discretos, ça va être un peu short. Surtout s'il regarde par là. Comment on va faire du coup? Doit bien y avoir un truc. Genre par exemple, il y a quoi là-dedans? C'est verrouillé, très bien. Et si on faisait le tour? Qu'est-ce que... Vu qu'on va bosser ensemble, je me suis dit que j'allais t'appeler. On m'appelle El Capitan. Et toi, c'est V. Même pas besoin de me présenter. Tu l'as déjà fait pour moi. C'est qui toi? Quand on me confie un boulot, je m'en occupe à fond. Ouais, sauf que là, je suis déjà en boulot là. Souviens-toi. À vos ordres, mon capitaine. Pendant que je te tiens, si t'as besoin de changer de caisse ou de bécane, j'ai tout ce qu'il faut, et pour pas cher. Non, donc merci. Non, pas tout de suite. Bon. Merde, quoi. Putain, mais même pendant les messages, enfin, même pendant les missions, on m'appelle. Mais merde, quoi. Ah, encore une chose, si jamais tu veux venir me voir pour me changer... me regarder dans les yeux, quoi que ce soit, hésite pas à passer, je suis là, je te mentirais si je disais que je suis pas curieux de te rencontrer. Oh putain. Qu'est-ce qui... Hey, j'ai dû murmurer, non, ça m'intéresse pas ton truc. Et il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler, n'est-ce pas? Le téléphone, c'était quoi? C'était... Si, c'était le T. Faut que je reste appuyé. Peut-être parce que je téléphone déjà à Judy pour être en contact H24 que je ne peux pas du coup utiliser mon téléphone pour voir qui m'a appelé. Bon. J'ai que 15 balles. Fais voir si je prends une autre arme. Non, pas les points. Les points, on verrait. Ah, quoique les points, si, les points. Les points, du coup, intelligence, c'est vrai que du coup,
J'ai même pas regardé. Qu'est-ce que je peux faire? Intelligent, déverrouille le démon de sommeil qui désactive. Ah bah attendez. Oui, je veux désactiver les caméras. Améliorer le démon. Il y a le piratage rapide aussi. C'est quoi ça? Permet de récupérer de la mémoire vive en combat. Ah bah voilà. Ça c'est parfait, parce que c'est vrai que c'est chiant de ne pas récupérer justement la mémoire vive en combat. Déverrouille les plans de fabrication, relève la présence d'un entraîneur ennemi, élimine une cible affectée par un piratage rapide, réduit le temps de recharge. Éliminer une cible affectée par un piratage, réduit de 1 unité la mémoire vive de la cyberconquête requis pour le piratage. Les piratages rapides infligent 10% de dégâts supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Augmente le temps de piratage du protocole de piratage de 20%. Cette phrase n'a aucun sens. Bref. Améliore le démon de vulnérabilité de masse. Déverrouille les démons de vulnérabilité. Identifie automatiquement les points d'accès à proximité. Je prends. Améliore le démon data mining. Oh! Un Demon Data Mining. Je ne l'avais pas eu. Et j'ai reçu quoi? Un point d'avantage. Ouais, pourquoi pas. Bref, sinon, on a quoi d'autre? On a aussi un point d'attribution. Ah, je vais le mettre sur le sang-froid. Pourquoi pas. Bref. Du coup, ce que je voulais voir, c'est au niveau des armes, en fait. Parce que bon, j'ai pas mal de trucs, mais qu'est-ce que j'ai comme munitions? Accessoire module, j'ai un silencieux. Ah non, c'est un multiplicateur de dégâts. Et ben, je le mets sur l'arme que je porte actuellement. Mais est-ce que c'est vraiment utile de le porter, de le faire sur l'arme qu'on porte actuellement? En fait, ce que je devrais surtout voir, c'était pas de ce côté-là, c'est dans mon sac, j'imagine. Pour les munitions. Les munitions. Où se trouvent les munitions? Arme à distance, non, arme corps à corps, accessoires et modules, matériel cybernétique, grenades, vêtements. Putain, j'ai des tonnes de vêtements. Je sais même pas quoi en foutre. Hey, j'ai un truc. Ah non, ça donne moins d'armure. Ça donne moins d'armure. Ça donne. C'est ce que je porte actuellement. Réduit les dégâts. C'est ce que je porte aussi. Et ce short a plus d'armure que mon short actuel. Ah non, même pas. Il a moins d'armure. Ah, mais... Ah non, je regardais du mauvais côté. Non, il a moins d'armure. Effectivement, je regardais du mauvais côté. Moins d'armure. Et celui-là, il a moins d'armure. D'accord, oui. En fait, ça change de côté quand tu changes... Très bien. Donc, je n'ai absolument aucun moyen de savoir... les munitions qui me restent, très bien. Mais par contre, je peux en fabriquer apparemment. Du coup, si je regarde les munitions, qu'est-ce que je peux fabriquer comme munitions? Fusil sniper, non. Fusil à pompe, non. Fusil, pistolet, fusil. Il faudrait mieux que je m'en fasse. Voilà. Parce que sinon, ça va être galère. Il y a cette grille là qui me permet d'entrer. Mais comment faire pour rentrer? Ah! Là est toujours la question. Il y a cette porte. Apparemment, j'ai aucun moyen. Oh! À part par ici. Non. Non. Comment atteindre le bâtiment principal? Bonjour, messieurs. Wow! Alors ça, par contre, monsieur, je n'approuve pas. Et il veut pas que je le saisis. Bon, très bien. Voilà. Ce que vous avez fait, un crime. Excuse-moi, mais lui, il a fait quoi exactement? C'est pas un crime ce qu'il a fait? Putain! Attends, on me râle dessus parce que je viens de buter un mec. Bon, on peut pas rentrer dans ce bâtiment comme ça. Mais on peut rentrer dans ce bâtiment à partir de là, j'imagine. Oui, on peut trouver un moyen. Non!
Quoique si. Ah d'accord, c'est Yamakaki. Non, c'est pas Yamakaki. Quoique si, c'est Yamakaki. C'est Yamakaki. Et on y va discretos. Il y a un mec là. Il regarde par où lui? Il regarde pas. Il regarde pas. Il regarde pas. Quoi? Comment ça, il y a un mec qui me regarde là? La trouille. Il y a rien. Vous n'avez rien vu. Ninja! What the? Je vous tue. Voilà, parce que j'ai aucun forme de respect. Et je prends aussi quelques trucs. Comment ça, montre-toi. Oh, du data mining. 1C55, ou bien j'ai aussi 1C. Ouais, je peux pas tous faire, donc 1C. Ok. 1C. Alors, où sont les 5-5? 5-5, il y en a ici. Ah. Ah oui, donc je ne peux pas trop faire... Sinon, je peux faire les BD, non? Non, je peux pas. Je suis obligé de faire qu'un seul truc. Bon, bah, je vais faire un seul truc. Très bien. Voilà. Oh, je peux faire quand même le deuxième. Très bien. C'est parfait. C'est parfait. Parce que oui, du coup, j'ai une mémoire tampon. Et en fait, tant que la mémoire tampon est encore pleine, je peux encore continuer à pirater et faire des combinaisons. Du coup... Putain, maintenant, ils sont tous en alerte. Très bien. Du coup, un redémarrage optique pour lui. Court-circuit pour madame. Des experts de la police ont confirmé que le virus identifié peut provoquer une défaillance des cyber. Non, vous ne m'avez pas vu. Ah. Non. Non, tu m'as pas vu. Bon, très bien. Très bien, de toute façon. Ça allait forcément partir. J'ai entendu des coups de feu, ça va? Ouais. T'inquiète. Pas faire discret. Enfin, si! J'aurais pu faire discret. J'aurais pu faire discret. Mais c'est juste que la situation a débordé un max. Voilà. La situation a complètement débordé. Donc, bon, comme c'est l'habitude, hein, forcément. Quand j'essaie de faire de la discrétion, rien ne va. Mais au moins, je peux... si j'attends 60 secondes, j'ai de la mémoire vive pour continuer à pirater. Bon. C'est pas bon du tout. Mais si, c'est très bon. T'inquiète. Je fais juste que tu meurs et... Oh merde. Très bien. Allez hop. Un petit boost de soin. En mode plus discret du tout. J'arrive dans une seconde. Essaye de rejoindre les niveaux inférieurs. Ouais, je suis un peu occupé, je dis, hein. Tu peux décaler ton arrivage un peu plus tard. Parce que c'est pas que c'est la merde, mais c'est la merde. On est complètement foutu. Ok, alors je peux plus pirater. Je peux pirater celui-ci. Hop, court-circuit. Ça. Bah lui, rien à foutre que je sois là. Très bien. Corps à corps. Ah, ça marche pas. Ils en ont rien à foutre du corps à corps. Très bien. Très bien. C'est l'heure du katana. Très bien. Alors, katana. Mochi monuchi. Katana tesu. Katana. Wow. Eh ben celui-là, j'ai même pas vu sa tête partir. Bref, il y a des explosifs. Oh, je peux le désactiver. Ah non, je peux... Ah, c'est des bombes. Très bien. Où est le dernier?
Alors, contrôle des caméras. Et ben, je vais la désactiver. Ta-da ! Wouchia ! Bon, le dernier, j'imagine, il est à l'étage. Alors, comment accéder à l'étage ? On peut pas accéder à l'étage, mais on peut accéder au sous-sol. Non, il y a forcément un mec que j'avais vu, non ? J'avais pas vu un mec entre-temps ? Ah. Bon, faut dire que j'ai pourtant scanné toute la zone, mais apparemment... Oh, fuck it ! Ah, et j'ai pas assez de capacité technique pour ouvrir cette porte. Très bien. Je vais prendre des grenades et je vais rester uniquement en katana, parce que niveau... Alors, j'ai quand même récupéré des munitions, mais bon... Vu les nombres de munitions que j'ai récupérées, c'est pas folichon. Hey, attends, j'arrive. Eh ben viens. Je suis là. Il faut qu'on descende au niveau moins 2. Je parie que c'est là qu'ils la retiennent. Je peux voir si ailleurs ce qu'il y a... Oh, shit. Shit. Je le reconnais. Hatch. T'entends ça? J'aime pas ça du tout. J'aime pas ta sotte sous-sous. Je pense qu'on arrive trop tard. Alors de 1, de 2. Du RTL ? Je prends pas. De l'érythritol, qui en est pour les adultes. Ce RTL, c'était quoi ? Oh merde ! Tac-tac ! On s'en fout la discrétion. J'ai loupé la discrétion, allez de vous faire. Oh non. Il y en a encore là-bas. Dis-moi qu'il n'y a pas encore là-bas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être à rechercher. Les implants dans le sensoriel, très bien. Ouais, elle fait tout le boulot. Ah non, même pas, elle fait pas tout le boulot. Je me suis dit, j'ai même pas vu le mec. En fait, il a complètement disparu de mon écran. Se connecter. Non, utiliser. J'aurais pu... Attends. Tête. Bon, déjà le pirater, certes. Pour du data mining, très bien. 5-5, 1C. Alors, 1C, BD. 1C, BD. 5-5... Et E9, très bien, comme ça me fait deux lignes. Et je peux voir un truc. Réseau local. Système de surveillance, je vais tout désactiver. Prise de contrôle à distance. Alors déjà, je peux pas. Non, il est de là, je ne peux pas. Très bien. J'ai d'autres caméras apparemment. Oh. Bah si, je peux. Très bien, il n'y a rien d'autre. Il faut que j'accède au deuxième étage, très bien, mais avant d'accéder au deuxième étage, il faut déjà que je regarde. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Donc, c'est pas... What the fuck? Mais... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai même pas vu, mais... C'est pas ce qui je pense, j'espère. Non mais parce que si c'est notre... Si c'est... Merde, je me suis trompé de touche encore. Si c'est Julie... Julie. Non, Julie elle est là. Si c'est Emily... Non, ils vont pas nous voir. Parce que désactivation... Putain. Ah oui, non mais moi la discrétion... C'est pas mon deuxième nom, hein, en fait, si tu veux. Ah ouais? Très bien, je vais pas retirer l'inévitable, à savoir votre mort. Hey! Elle a des munitions, Hey, arrête ça! J'ai besoin de toi, vivant!
Ouais bah... Voilà. Ça c'est débarrassé. Elle a... Il y a peut-être des munitions ici. Alors comment on fait des ricochets? Parce que j'ai une arme normalement qui fait des ricochets. Bon, de toute façon... Avec avec les munitions que j'ai... Ouais, bah, ils nous ont entendu depuis longtemps, Julie, hein. T'es un peu à la traîne, Julie. Bref. Bon, allons voir. Il y a quelque chose là-dedans. J'ai reçu une arme de couleur bleue, j'espère. Je me demande ce que c'est, tiens. Juste par curiosité, qu'est-ce que c'est? C'est un fusil à pompe. Oh! Fusil à canon cinétique. J'ai 15 000 armes. Je sais même pas quoi en foutre. Qu'est-ce que c'est que ça? Achille augmente les dégâts des armes techniques chargées. Ça utilise quoi? C'est un fusil à pompe ou aussi ou... Oh, ça a l'air d'être un fusil à pompe. Je veux voir. Voir ce que ça fait. Oh, classe. Mais... Oh, et on peut charger. On peut charger. Ça nous fait un truc comme ça. Ça, enculé. On dirait que tu les as tous eus. Ouais. Maintenant, direction. Et j'adore cette arme. Précis, technique et... Et il a un zoom. Bon, c'est parfait. J'ai trouvé mon arme de prédilection. Que j'aurais pu m'en servir peut-être pour... Bon, je crois pas que cette arme soit discrète, mais j'aurais pu m'en servir pour l'infiltration, en fait. Si j'avais su que j'avais cette arme. Hey Johnny, qu'est-ce qu'il y a? Des menottes. Classique. Ça marche toujours. Ah ouais? Sauf qu'elles sont en acier, pas en plastique comme les versions soft. Même si tu viens ici de ton plein gré pour devenir une star, t'as aucune garantie de ressortir un jour. T'as compris, Johnny? Bref, donc du coup... Alors ça s'inquiète un peu, mais en fait, c'est parce qu'il neige chez moi. Et comme je suis en 4G, alors forcément... Oh! Ça doit être une salle de maintenance. Je vais essayer de foutre le bordel. Ok! Je t'aide! Voilà! Voilà! Comment on fout le bordel! Oh, et attends! C'est du baril explosif, ça? Bah attends, c'est parfait! Ah non! Ah, foutre le bordel comme ça! Ah oui, mais non, mais moi je pensais à l'explosion et tout, mais non! Salut! Êtes-vous surpris de ma... présence? Alors lui, il va arriver, normalement. Il doit forcément arriver. Oh là. J'aime pas ça. C'est juste un cadavre. Donc rien de... Rien concernant ce qu'on cherche. Des implants. Mais... Voilà. Mais rien concernant ce cadavre... qui pourrait nous intéresser. Bon, en tout cas, il veut pas que je le scanne, donc... Allez, hop. Du piratage, parce que c'est toujours ça de bon. 5E... E9... Alors, 55 E9... Ou bien 55 BD... 55... On va essayer ça. 55 BD 55. Et s'il y a E9 avec, je veux bien. Très bien. Du coup... Il est vachement efficace, ce fusil. Bon, un peu cheaté, mais... Vachement efficace, regardez. Ah, surchauffe. Quelqu'un essaie de me pirater. Bon, il a réussi.
Ah d'accord, donc quand je zoome, je ne peux pas tirer, très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, ah putain, je suis au ralenti. Putain, mais qui c'est qui me pirate là? Ok. Ok, mon sang. Forker, à la loyale, qui c'est qui me pirate là pour que je ralentis comme un sac là? Ah, il est là. Ah putain, et en plus il court. Le connard, il court. Tiens. T'as voulu me baiser? Ah bah tiens. Voilà. Ah putain, j'ai pas d'arme. Mais j'ai un... Ah putain. Katana. Oh. Vous transportez trop de choses. Non mais attends, tu étais sérieux là? Genre, je transporte trop de choses. Bon bah écoute, je vais m'y débarrasser d'un truc. T'as un ou deux petits trucs, genre par exemple... ça. D'ailleurs, je peux même les démonter plutôt. Tout ce qui est en rouge là, qui me sert plus à rien. Voilà, je vais les démonter. D'ailleurs, comment est-ce qu'on voit? Ah, on le voit en haut à droite, d'accord. On voit le poids en haut à droite, très bien. Voilà, je vais me débarrasser de ça. Je vais les transformer en composants qui va me servir pour le craft. Alors, il y a aussi un glitch apparemment avec les composants, mais je vais pas utiliser ce glitch. Je suis désolé, je trouve que ce glitch n'est pas RP. Il est certes amusant, mais pas RP. Putain, il fait chier, lui. Toi, tu m'énerves. Voilà. À force de me chauffer à vouloir absolument... T'as kiffé ? Ouais. J'ai bien kiffé, regarde. Bon. Alors, je peux prendre le corps, le cacher quelque part, mais... Faut que je trouve... Ouh, c'est dégueulasse, ça. N'ai-je pas... Qu'est-ce que c'est, là-bas? Un cadavre. Ah non, mais je retourne sur mes pas, c'est juste que ce côté-là, je l'ai même pas vu, en fait. Je pourrais cacher effectivement un cadavre ici, mais... À quoi bon? De toute façon, on m'a déjà repéré. À quoi bon cacher les cadavres? Bon. Alors du coup... J'imagine... C'est quoi ça? Je peux le désactiver. Hop, désactivation. Parfait. Il n'y a rien ici. À part ça. Que je peux seulement utiliser. Oh! Contenu explosif. Mais je n'ai pas envie d'aller sur le net. Surveillance en ligne. On va désactiver. Surveillance hors ligne. Très bien. Ça fait quoi la détonation? Ça fait juste ça. Très bien. Ça... Ah ouais? Parce que moi j'ai un truc pour causer, ça s'appelle une arme à feu. c'est tout simplement. Bon, alors sinon, là je suis complètement paumé, je sais même pas où il faut aller. J'imagine qu'il faut... Ah bah j'imagine qu'il faut aller par là. Non, je me chie pas dessus. Tiens, regarde. T'es ici, n'est-ce pas? T'es à travers la fenêtre? Regarde. Tire en pleine tête. Allez, viens. Ah ouais? Et tu vas faire comment pour m'écorcher si t'es mort? Banane. Bref. Donc du coup... On va ouvrir. Près du studio, je crois. T'as trouvé quelque chose d'utile? J'ai débloqué la rentrer là. Ça devrait faciliter notre sortie. C'est des ennemis, ça? Toi, faut vraiment pas te faire chier. Une seconde, attends. Ok, c'est pas, elle est pas là-dedans. Oui, je sais que je dois suivre un objectif, mais je veux explorer. Ah, je peux pas ouvrir cette porte. Je veux d'abord explorer. Devant, je les vois. Il faut la retrouver. Tiens bon, Eve. Tu les vois. Tu les vois où? Y'a personne? Non, y'a personne. Ça, c'est...
Bon, du cryptage, on sait jamais. Alors, 1C55, BD et 1C. Voilà. Bon, j'imagine qu'on peut augmenter la mémoire à tampon à l'aide d'une amélioration, mais pour l'instant, je ne l'ai pas, cette amélioration. Bon, alors allons trouver Evelyn. Ah ah, Johnny est là. C'est pas bon signe. La touche pas. Si elle enregistre, tu vas lui bousiller le cerveau. Attends que je coupe sa liaison. Attrape-le et dis-moi quand tu tires dessus. Je vais couper la liaison de mon côté en même temps. Ah, d'accord. Je suis prêt. Ok, on y va. Ah merde, elle est vachement amochée là. C'est parti. 1, 2, 3. Voilà. Ah ouais, elle est vachement amochée en fait. Merde. Putain, merci. Evelyn, tu m'entends? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui arrive? Franchement, je sais pas. Elle doit être sérieusement traumatisée. On peut la déplacer ou pas? On peut la déplacer? Pas d'hémorragie cérébrale ou de dégâts. Ah, sûrement pas sur ce ces chaises. Blessure. Je crois qu'on n'a pas le choix. Ok, bon, il faut l'amener dans un lieu sûr. Ouais, et s'entraîner. Par où on va? J'ai condamné les portes et j'ai redémarré les ascenseurs. Aux ascenseurs, okay. Alors. Et pas de réaction de Johnny Silverhand? Non? Bon, très bien, alors on se casse! On se casse! Yeah. Par contre, Evelyn, si je peux me permettre une remarque, on va falloir que tu perds quelques kilos. Ah! À ce point-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Allez, quoi? C'est si dur que ça? Ah! Allez, juste une. Pour moi. Non. Fumer, c'est juste pour se la péter. En plus, ça pue. Ok, déballe tes conneries, mais grise-en une petite. Non. Oh putain, fallait que je tombe sur quelqu'un qui fume pas. Va falloir t'y faire, mon allez, pote. Allez, ouais, assez pour arrêter. On entre. On est revenu de l'enfer pour rester planté devant une porte. Ouais, on veut des réponses, en espérant qu'elle va bien. S'est endormie. Ah. Enfin, je crois. Elle a les yeux fermés. Elle a arrêté de trembler. Ok. J'aurais bien envie de l'étrangler si elle me faisait pas autant de peine. Comment elle va? Comment elle se sent? Je te laisse imaginer. Le séjour à la centrale a absorbé jusqu'à sa dernière part d'humanité. Elle avait déjà tout donné. Voilà. Apparemment, ça leur suffisait pas. Ils en voulaient plus. Toujours plus. Et genre quoi? De transe, comme si elle s'était repliée sur elle-même. Elle réagit plus à ce qui l'entoure. Ouch! Donc on va pas avoir... J'avais vraiment qu'une envie de fouiller dans sa tête. Mais je l'ai fait pour toi. Je voulais que tu le saches. Ah! Ah bah merci! Tu lui en veux? Pourquoi? Quand tu m'as demandé d'explorer sa puce comportementale, j'en ai eu ma claque de tes conneries. Judy, j'avais pas d'autre... Je sais. C'est bon. Alors, je sais pas pourquoi... Tu vas vite le savoir. Je vais te montrer les vertus que j'ai trouvées. Ah! Ok. On va voir ça. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais bon, je sens que... De ça, elle est en colère parce qu'elle a vu. Vraiment les fusibles grillés. Allez, V. Quoi? Tu veux encore ta clope? Attends, parlez à Evelyn, facultatif. Mais... Ah, c'est toi. Je suis le premier à l'admettre. Ça se présente mal. C'est-à-dire? Salut. Comment tu te sens? Il te faut quelque chose? Je viens pas t'emmerder. Juste, discuter. Je veux pas la toucher, non. Non, juste comme ça. Voilà. Sauf s'il me dit... Quoi? Non mais sérieusement, faut vraiment que je la touche? Bon, très bien.
Ça fait quoi juste la toucher? Ah oui, d'accord. À ce point-là. Oh, si c'est pas mignon. Ta gueule, Johnny. Ta gueule. Voilà. Non, mais oh. Voilà, donc j'ai fait ma quête secondaire. Très bien, je peux maintenant voir la déesse en question. Très bien. Et c'est parti. Vas-y. Au revoir. Les données étaient salement endommagées. J'ai pas pu les éditer tant que ça. C'est pas grave, tant qu'on a l'essentiel. Je suis déjà content que t'aies pu les récupérer. Il faut attendre que ça charge. Ok. La qualité est pas terrible, mais j'ai fait au mieux. Ah, ça suffira pour avoir des indications. Bon. Tu es sur quoi? Jette un coup d'œil si tu veux. Je vois pas son visage. Normalement, ce genre de cryptage devrait être super facile à casser. Mais pas cette fois. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas une netrunner du dimanche. D'accord. Ou bien elle reçoit l'aide de quelqu'un. Bon. Sur toute attaque que je vois, les dispositifs de sécurité. Je pense savoir qui c'est. Configuration complète de la pièce. Je pense savoir. Je pense que c'est T-Bug. Je m'occupe pas de ces messages. C'est T-Bug, 100% sûr. Sauf si tu peux le faire discrètement. Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. Sois naturel. Détendu. 100% sûr que c'est T-Bug. Vous pariez combien que c'est T-Bug? Et s'il commence à parler de... Oh. C'est peut-être pas important. Possible. Mais ils viennent tous de Pacifica. Au moins, ça réduit notre zone de recherche. À ce moment-là... Oh, attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc, il est toujours là, le truc jaune. Ah oui, j'ai oublié ça. Il me semble avoir déjà vu ça. De quoi, l'hologramme? Des VV. Ça te parle, ces trucs? Des VV? Pour savoir ce qui signifie. Des VV? S'en servir. Qui ça? Peut-être les Voodoo Boys. Mais c'est qu'une intuition. Ah. Je dois me concentrer sur toute la tête que je vois, les dispositions. Donc en fait... En fait, c'est... On va devoir enquêter sur des trucs vaudous, c'est ça? Ou bien c'est les vaudous qui nous ont demandé de voler la relique? Le plus important, c'est qu'ils ne se doutent de rien. Sois naturel, détendu. Et s'ils commencent à parler de la biopuce, qu'est-ce que je fais? Comment tu es au courant? Ouais. Ça ne te concerne pas. Comment t'es au courant, tu toi? Tu filmes la vertu, tu reviens ici, et on te donne des édits. Ton boulot se limite à ça. Le reste ne te regarde pas. C'est bien compris? Je suis sûr à 100% c'est T-Bug. Mais... Il y a un truc qu'on n'a pas vu. Il y a forcément un truc qu'on n'a pas vu. Peut-être pas ici, peut-être dans les sons. Non, on a rien du tout. Bon, écoutez, je pense qu'on a assez vu. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. On n'a pas d'autres indications. On a dans les couches sensorielles ou thermiques. Sensorielles. Auditives et thermiques, donc. C'est qui la femme qui l'a engagée? La femme qui a engagé Evelyne. T'as une idée de qui c'est? J'en sais pas plus que toi. Moi, je pense que c'est T-Bug. 100%. Maintenant, on sait ce qui s'est passé au Cloud. C'est eux qui ont voulu la refroidir. Ils ont lâché une bombe sur sa puce. C'était pour la punir, alors? Parce qu'elle s'est foutue d'eux? Elle en savait plus que ce qu'ils pensaient. Ils pouvaient pas laisser passer ça. Alors c'est à eux qu'elle essayait d'échapper. Bref. On dirait qu'Evelyne nous avait pas dit toute la vérité. Non. Tu crois? Si j'avais su dans quoi elle s'était fourrée. Ouais, par contre, je peux pas le lever plus ma tête que ça. Son boulot, c'était juste calme, je dis. C'est à peine croyable qu'elle ait réussi à planifier un casse de A à Z. Et à faucher la biopuce. Attends, je croyais que c'était Dexter qui a réalisé la casse. Qu'elle t'a engagé. Et qu'elle
s'est mise dans ce merdier. Et toi aussi. Il y a un autre enregistrement. Oh. Tu veux le voir? Bah, vas-y. Ouais, pourquoi pas. Plus rien peut me surprendre maintenant. Pourquoi tu tousses? Ça va pas, Judy? Elle a l'air mal en point, Judy. Bon. Elle parle dans quelle langue? Je sais pas. En créole, haïtien. Alors, déjà. C'est des voodoo boys. Je vois. Attends, je me demande si j'ai pas un traducteur automatique. En attendant, essaie de te caler sur la fréquence du téléphone. Check ce qu'on dit de l'autre côté. C'est bon, alors, juste une petite seconde. D'abord, il y a ça que je veux voir. Téléphone, il faut que je... Faut qu'on sache ce qu'ils disent. Ça pourrait être important. Super, je viens de trouver le logiciel de traduction automatique. Il doit être compatible avec ton système. Je te l'installe. Allez hop, c'est parti. Traduction. Où te gendrer? Ouais. Traduction mon cul, oui. Allez hop, c'est parti. Ou pas c'est même la fait un problème? Ah, attendez, j'ai un autre truc sans d'autres trucs audio. Quelque part, faut que je me mette dans la couche audio. Alors, où est-ce qu'on voit une autre chose? Ah mince. C'était ça le truc audio? What? What? Johnny? Johnny? C'est quoi ta relation avec les Voodoo Boys? Est-ce une plus bonne idée? Très bien. Si vous finissez de critiquer tout ça, Cathy, vous pouvez vous prendre travailler. Bon. C'est bon, Judy. J'ai tout. D'accord. Je te déconnecte. Alors, les Voodoo Boys connaissent Johnny Silverhand. Ou bien Johnny Silverhand connaît les Voodoo Boys. Je sais pas. C'est quoi le rapport avec Johnny Silverhand? Il est mort, genre... Ça fait quoi si je te dis que je suis schizophrène? L'audiopuce qu'on m'a volé. L'engramme de Silverhand est gravé dessus. Voilà. L'engramme? Sa psyché numérisée. Son construct de personnalité. Ouais, je sais, c'est pas facile à croire. Tu peux me laisser une minute? Je dois réfléchir à un truc dans ma tête. Ouais, pas de problème. Ouais, c'est vachement complexe, hein. Alors, Johnny! Tu sais qui sont ces gens? Qui est la femme? Et comment on peut la retrouver? Putain, V. Quoi? Je te signale que j'étais mort pendant 50 ans. Ouais, bah... Alors, désolé de pas pouvoir t'apporter toutes les réponses sur un plateau chromé dès que tu claques des doigts. Mais, hé, comment ils savent qu'ils te connaissent, alors? Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à Halt? Comment tu veux que je le sache? T'en as vraiment Tu dois forcément le savoir, Johnny. Autre, tout nous ramène à cette Netrunner. Alors ça doit être notre priorité de la retrouver. Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce... Alors elle pourra nous aider. Tu disais qu'elle pourra nous aider? Putain, ouais. Trouve-nous juste cette joujou câblée, ok? Bon. Très bien. Ça nous donne une piste, mais... Qui nous dit qu'elle sait quelque chose? Surtout qu'ils veulent Johnny. Dans tous les cas. Ils veulent pas... Voilà, ils veulent pas... Je veux pas autre chose que de parler à... dire que tu sais comment contacter les Voodoo Boys? J'ai justement renseigné. Passer des coups de fil. Les Voodoo Boys, c'est le genre à se méfier d'un chat qui se pointerait sur leur territoire. Il doit bien avoir quelqu'un qui sait comment entrer. Alors bonne chance. J'espère que t'en auras pas besoin. Merci quand merci, même. Merci Judy. Non, mais merci à toi.
quelqu'un de bien. Evelyn ne savait pas jauger les gens, voire au-delà des apparences. Si elle t'avait connu un peu mieux, alors... Qui sait ? Les choses auraient peut-être tourné différemment. Ouais. Possible. Mais bon ! C'est pas tout ça, mais bon, on a quand même quelques infos. Malheureusement, Evelyn ne peut pas... enfin, on a su exactement à qui Evelyn parlait, mais... ça tremble. Bref, parlons à Monsieur Hand. Mais comment ça va? Il faut que je parle au chef des Voodoo Boys, si vous pouvez m'arranger ça. Bien, bien, bien. Tu perds pas de temps, toi, au moins. Tu dois parler de maman Brigitte. Ça va pas être facile d'organiser un entretien. Ah, je croyais que vous pourriez... maman Brigitte, c'est un pseudo. Maman Brigitte. C'est quoi ce pseudo? Bah oui, j'imagine. J'ai pas eu le plaisir de lui demander des explications. Mais c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Je doute que ça ait un rapport avec la religion. Les Voodoo Boys adaptent leur héritage haïtien. Ah oui, c'est vrai que j'avais une moto. Ah, je sais pas. Ma voiture ou la moto? Mais bon. Vous faites pas du tout affaire avec eux? Pas avec les autres chefs et autres sommités. Ils ont tous un ego hypertrophié. Ils ne vont pas s'abaisser à me parler. Mais si tu insistes, je peux me renseigner et essayer d'organiser un truc. Ouais, fais ça, mec. Mais j'ai justement un truc. Johnny Silverhand. Il y a un truc qui vole. Vraiment? Tu veux vendre un truc au VDB? Crois-moi. Ils ont besoin de rien qui vienne de nous. Non, je veux pas vendre un truc. Je veux leur dire un truc. Mais c'est comme tu veux. Je vois ce que je peux faire et je perds contact. Bref. Bon. En attendant justement que qu'ils nous trouvent contact, moi je dis le stand de tir. c'est lequel? C'est celui-là au stand de tir. Très bien. On va se faire le petit concours organisé par le pote qui aurait apparemment notre centre de tir. Par contre, la radio, mec, enfin, c'est la radio. Et celui-là alors? Non. Oh, attends. Parfait. Parfait, et je viens de louper une sortie. Et normalement, d'habitude, quand je suis en voiture, je suis comme ça, merci. Je préfère cette bulle en voiture, bref. Donc du coup, je m'en vais... Ah. Oula, ça tire de partout. Mais direction stand de tir, on va terminer l'épisode justement sur ce fameux concours de tir. Oh, il y a un truc de flic là. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je vais aller au stand de tir. Puisqu'apparemment on a suivi cette voie, on n'a pas suivi finalement Takamura. J'aurais pu aller voir Takamura. J'aurais pu. Bon, par contre les paroles de cette musique que je viens de mettre ne veulent absolument rien dire. On dirait clairement une sorte de parodie de hard metal. Oups. Vous n'avez rien vu. Bref. L'un des sujets brûlants abordés a été l'augmentation constante des attaques de cyberpsycho. Sur ces dernières années, le nombre d'incidents a augmenté de 43%. Lemar Kilimski, président de l'association, a rappelé que les responsables de ces morts... C'est... Ah, d'accord. C'est chez moi, en fait. C'est ça. Son stand de tir. Bon, désolé pour le bordel, hein. Vous inquiétez pas, Jérôme, j'arrangerai ça dès que possible, bref. Ah oui, et du coup, on va en profiter aussi pour parler à... Ah bah... Non, il est en train de descendre. Ah, les flics. Ah oui, c'était les flics d'avant. Bref. Allons justement voir justement leur pote parce que ne sait-on jamais, peut-être que leur pote voudra parler cette fois-ci, parce que oui, on avait promis aux deux flics justement qu'on allait justement
faire un peu de psychologie à un type qui serait apparemment déprimé à la suite du fait de la perte d'un de ses collègues. Bon. Alors on monte jusqu'à la maintenance. Maintenance qui arrive maintenant. Très bien. Et c'est ici. Ah. Salut mec. Hey V, on va commencer. Si t'as envie de pisser ou quoi, c'est maintenant. Bon allez, une seconde, je vais juste faire un truc. Un petit truc. Alors il était où? Si j'ai bonne mémoire, c'était en direction de mon appartement. Par là. Et c'était lui. Non, c'était lui. Barry, c'est bien ça, non? Qui c'est? C'est V, le voisin du dessus. Vous vous souvenez? On avait parlé bagnole. Vous aviez dit que vous aimiez la Mizutani Shion. Et moi, j'ai dit que c'était une caisse de frimeur. C'est pas le genre de truc qui s'oublie. Hein. Vous auriez vu votre tête. J'ai eu envie de me tirer en courant dans les Badlands. Ouh, ah oui. Vous voulez quoi? Ah oui. Les gens comme nous doivent s'habituer au deuil. Je voulais voir si ça allait. Vos amis m'ont dit que vous restiez cloîtrés chez vous. Je crois savoir pourquoi. J'ai déjà vu ce regard. C'est typique des gens comme nous. Comme nous? Vous m'avez pas l'air d'être flic. Bah non, je suis pas flic. Flics qu'on meurt. Dans mon boulot, ça arrive tous les jours. Ouais. On croit qu'on est habitué. Jusqu'à ce que ce soit un proche. Alors mec? Vous aussi? Ouais. Moi aussi mec. Compatis avec toi. Surtout pas n'importe qui hein. Entrez. Oh. Merci mec. Bon, allons faire de la psychologie. Alors, donc comme ça on est déprimé monsieur, très bien. Alors attendez, je vais prendre mon calepin. J'ai perdu un proche moi aussi il y a pas longtemps. Un super pote. Comment ça, moi aussi? Attendez, c'est à cause d'Andrew? Ils vous ont parlé de lui. C'était mon meilleur ami. Je le connaissais depuis tout petit. C'était le seul à qui je pouvais parler sans être... Dites-moi en plus. Le NCPD, ça va pas en s'améliorant, pas vrai? Une fois, un Maelstromer a descendu un gamin sous mes yeux. Comme ça, juste pour se marrer. Oh putain, faut que je bute tous les Maelstrom. Cet enfoiré avait une immunité. C'est parti, la guerre des Maelstrom est déclarée. Saloperie. Le capitaine a reçu un don anonyme, et vous devinez la suite. D'après le rapport, le gamin s'est tiré dessus tout seul. Juste sous vos yeux. Je suis mort à l'intérieur depuis ce jour-là. J'arrivais plus à rien. Et quelques mois plus tard, quand Andrew est mort, c'est parti en vrille. Vous pouvez vous confier à personne au commissariat? À Petrova, à Mendez? Petrova est un bon flic, mais elle sait pas s'y prendre. Ah! Et Mendez, il pige rien. J'avoue, qu'on doit régler avec des personnes pareilles... Si tu supportes pas de voir un gamin se faire buter, c'est que t'es une fiotte. C'est ça qu'il dit. Mais vous lui avez parlé d'Andrew? Honnêtement, j'ai pas mal hésité. Et puis... Ils savent pas tout. C'est mieux comme ça. Ouais, mais tu sais quoi? Et il est mort de quoi, au fait? Et Andrew, il est mort comment? Qu'est-ce que ça peut faire? De vieillesse? C'est pas surprenant. Il était à peine plus jeune que ma grand-mère. Ah! De vieillesse? À Night City? Faudra lui dresser un monument. Tout le monde viendrait voir ça. Ouais. Une urne dans une niche, c'est bien suffisant. Bref, on a tous des limites, Mendez, mec. Il connaît rien à la vie. On a tous nos limites, même lui. C'est juste que lui, il les a pas encore atteintes. Et s'il avait raison? Peut-être que je suis faible, finalement. Mais non! Il y a que les forts qui survivent. Mais si non, mec, c'est normal. C'est normal de ne pas aimer voir des morts. Mais je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça. Ça marche. À plus tard. Bref. En tout cas, c'est une conversation très intéressante. J'espère que ça va aller mieux après ça, hein, mec.
Franchement, je compatis, hein. J'ai perdu un super pote. Ceci dit, il m'a légué une super moto que j'ai jamais essayée. Bon, d'accord. Bref, allons au stand de tir. On a dit qu'on terminerait l'épisode 10 au stand de tir. Donc, on va terminer l'épisode au stand de tir. Alors, mec, je suis prêt. C'est gentil d'y penser, mais ça va. On peut commencer. Ok, mais il faut d'abord que tu te mettes en place. Allez, hop, hop, hop. Ok, ok, ok. Let's go. En fait, t'as pas dit combien on gagne. Ah, c'est avec cette arme, hein. Très bien. Alors, si c'est avec cette arme, allons faire dans les règles. Donc, on s'équipe. Oh, putain, mais c'est stylé, Wilson. Allez, vas-y. Fais alors, péter. Combien de concurrents? Seulement 6. Dommage. Mais on va pas pleurer, hein. Vas-y, Wilson, fais péter les cibles. Les règles sont simples, ok? Il y a une cible, vous tirez dessus. Vous pouvez même tirer sur celle du voisin. Celui qui réussit le plus de tirs gagne. Sympa. Sur la cible, hein, pas sur le voisin. Ok, je vais tirer sur le voisin. J'ai parfaitement compris, Wilson. Allez, on va tuer le voisin. Ok. Premier prix, un flingue. Mais un super bon. Et si c'est ce flingue-là, si c'est ce flingue-là, je le veux, hein. Il est stylé. C'est trop d'émotion. Niveau design. Allez, hop, c'est parti. 3, 2, et c'est quoi ça? Une minute. Qu'est-ce que tu fous avec un double canon? J'ai dit que des petits calibres. J'ai oublié mon crasher. J'ai dû le laisser dans mon hôtel. Putain. C'est pour ça qu'on range son flingue dans un holster. Un holster. Allez, dégage de ma vue, ça saute. Ça sera plus facile. Calmos. Ça va, ça va. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, Choum, c'est pas québécois. Il y aura des cochons, putain. Allez, hop. Allez, 3, 2, 1. Ah ouais. Putain. Ah ouais, putain, ça déconne pas, hein, ton arme. Franchement, le recul est... Waouh. Putain. La cible, V. Vise la cible, pas non, dur. Sans blague. Tu crois que je fais quoi avec... C'est bien parti, Rudy. Continue. Putain. Ah ouais, non mais... Wilson, déconne pas un peu avec les... Reprends-toi. Ouais, bah, reprends-toi. Attends. Attends, combien? Quoi ça, Lisa? T'as oublié tes lunettes? Putain, j'hallucine là! Mais attends, tu veux faire sensible en 60 minutes? Avec un crasher qui. Enfin, un crasher, une arme! Fait. Qui nous. qui a un recul de malade! Non mais attends, Wilson! Tu te fous de ma gueule? Bon bah, je crois que c'est une échec cuisant! Top! Tout le monde arrête! C'est fini! Putain, 13! Wilson. Première place, Rudy. Deuxième place, Lisa. Les autres, c'est une honte. Non, mais je te jure. Eh ben, désolé, passe-moi une mitraille. Pâté aux autres, mais faut croire que t'es pas si doué que ça. Non, mais t'as vu l'arme que tu me donnes? Je t'emmerde, Wilson. C'est quoi, Wilson? Je t'emmerde. Voilà. Et t'énerve pas comme ça. Tu crois peut-être que ça m'amuse? Bah moi non plus, ça m'amuse pas. Le cours a servi à que dalle. J'ai pas fait une seule vente. Pas une. Évite déjà de traiter tes clients potentiels de... Petite bite. Ok, mais... Putain, ça se respecte, les flingues. Ouais. Pas tirer, bah tu tires pas, c'est tout. Alors, donne-moi une mitraillette et je te montre comment je sais tirer. Connard. Non, mais j'hallucine. Il ose critiquer ma façon de tirer. Eh ben, très bien. Déjà, je vais ranger mon arme. Et... Attendez, je peux parler à des gens, là? Genre lui? Pourquoi il y a des flèches vertes sur eux? Enfin, des cercles verts. Hein, je sais pas. En tout cas, cet épisode, je vais m'arrêter là. Ce fut un épisode fort sympathique. On va dire ça. Même s'il n'y a pas eu, effectivement, ce que... Je espérais rechercher du côté des... Enfin, si, on a quand même avancé un petit peu sur... Qui et pourquoi Evelyn nous a donné ce job de récupérer cette fameuse relique qui nous a rendu schizophrène.
Ce qui va nous permettre de peut-être d'en savoir plus sur... Si ça se trouve, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, j'ai un graffiti. Bref, en tout cas, moi, je m'arrête ici. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter, à la partager à vos potos. Et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos, n'hésitez pas, ainsi que peut-être la suite aussi de ce playthrough sur Cyberpunk 2077. N'hésitez pas à vous abonner et enclencher la cloche de notification. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Porte de PGM. Alors j'allume peut-être la télé, ce serait bien. Non. 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 Non, ouais. Bon, la télé, c'est comme la réalité. Apparemment, il n'y a que des programmes de merde. Bref, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Porte de PGM.